Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la suite de la quête de Saint-14 sortie à l'occasion des festivités de l'avènement, aujourd'hui, ce mardi 17 décembre. Alors pour commencer, rendez-vous auprès d'Osiris, c'est le premier déclencheur. Osiris qui va vous confier la mission de déposer 6 transpondeurs sur différentes zones de Nessos. Cela paraît simple sur le papier, mais en vérité, les zones sont un petit peu plus complexes que ça à trouver. On va voir tout ça ensemble. Je vous laisse découvrir sans plus tarder les 6 emplacements en question, puisqu'une vidéo parle plus que des explications. Une fois ceci fait, Osiris va donc vous demander de trouver le spectre de Saint-14 en ouvrant un portail vers le Rhizovex. C'est là où beaucoup de joueurs également semblent perdus. En effet, si le marqueur indique un point en particulier, vous allez en réalité comprendre très rapidement que l'entrée de ce portail se trouve à un tout autre endroit. Et pour y accéder, il va falloir se rendre dans une zone souterraine. Concrètement, ouvrez la map, téléportez-vous à la citerne et empruntez le chemin qui se trouve droit devant vous, au fond, à droite. Vous savez, c'est ce même chemin que vous empruntez pour libérer Kate 6 dans la campagne. Allez jusqu'au bout, jusqu'à rencontrer une hydre qui se trouve dans une plus grande zone, zone où on vous demandera
également de scanner une faille VEX. Une fois ceci fait, empruntez le réseau de portails VEX que vous venez d'ouvrir. Vous trouverez le spectre au beau milieu de la salle que vous venez de découvrir. Par la suite, Osiris vous demandera de tuer 25 gardiens, de faire 25 frags avec votre super et de générer 25 orbes. Pour cette quête tout simplement, je vous conseille de la domination et du protocole. Lorsque vous aurez terminé, vous serez alors arrivé en toute fin de quête et vous aurez accès à la seconde partie de la mission d'histoire des couloirs du temps. Cette mission que nous avions commencée la semaine dernière au lancement de la saison. Je vous laisserai découvrir cette mission dans une autre vidéo, par respect pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas être spoilés. Si ces infos vous ont été utiles, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny. D'ici là,